Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle partie de d'Inoblivion et cette fois-ci nous allons essayer de jouer correctement sans se planter comme des grosses buses sur les règles, notamment au niveau des règles des totems, parce que pour l'instant j'ai fait deux parties filmées et je me suis planté sur les deux, sur les règles des totems. Les totems, quand on les pose, on active une carte de clan, hein, bien évidemment. Donc j'ai refait d'autres parties non filmées entre temps, hein, pour être bien sûr que cela fonctionne à merveille. Donc, nous allons partir en mode solo, nous allons partir sur une partie 28 cartes, en mode chef, cette fois-ci. Donc, je vais procéder au setup du jeu, ça va être assez facile à faire. Alors, attendez, hop, là, on va mettre la caméra comme ça, pour bien voir un peu tout ce qui se passe au niveau des cartes. Je reviens tout de suite. Me renvoie. Donc nous allons partir sur une partie en mode chef, à savoir que nous allons prendre uniquement 28 cartes de ce gros paquet de cartes pour avoir un petit peu de pression pendant le jeu. Alors 28 cartes, c'est parti. Alors il y a un peu de bazar à côté, je ne sais pas ce que font les voisins, il y a du bruit, je m'en excuse. 28 cartes, donc je prends ça, je mets là et je compte 28. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ça, c'est la pioche. Après, on va mélanger pour avoir bien nos 28 cartes. On va vérifier qu'on a bien 28. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 28, parfait. Donc ça, c'est ma jungle des 28 cartes. Nous allons préparer 4 dinosaures de niveau 1 de ce côté de la jungle. 1, 2, 3, 4. On va révéler le premier. Le premier est un raptor. Et nous allons révéler 3 dinosaures de ce côté de la jungle de niveau 2. 1, 2, 3. Je mets ça là. Et le premier dinosaure que nous allons révéler, c'est un Spinosaurus à 18 points de vie. Alors ensuite, nous allons dans le paquet des 28 cartes de la jungle, nous allons rajouter les 4 cartes de chef ennemi, de boss ennemi, qui vont nous mettre des petits bâtons dans les roues tout au long de la partie. Alors j'en mets un ici, un ici, un ici et un ici, qui soit à peu près dispersé. De toute façon, après, on prend tout ça et on remélange. Voilà. Voici pour ma jungle. J'ai pris le clan Soleil avec ses 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais donc choisir au pifomètre un des 5 chefs de clan possibles. Et on va voir lequel je vais prendre. Alors moi, je prends au pif. Non, je crois qu'il faut prendre 2 cartes. On va faire ça, on va suivre les règles. J'en tirerai 2 au pif. Donc toi et toi. Je vais les retourner. Je vais choisir celui qui m'intéresse le mieux. Alors nous avons quoi? Nous avons le Slayer. Je défausse une carte, je fais 4 de dégâts, ou le Bobor, en défaussant une carte, je gagne 2 bonhommes. Et je prends le Bobor. Je prends le Bobor parce que les ressources, c'est important. C'est plus important qu'obtenir 4 points de dégâts. Les points de dégâts, je pense qu'on les aura après au fur et à mesure sans trop de problèmes. Du coup, ce mode de jeu solo se joue un peu pareil que le mode classique. Hein. Attendez, comme ça, est-ce qu'on voit tout? Oui, voilà. Donc, j'ai toujours 6 meeple de ressources maximum pour les amis, 6 de nourriture maximum là, pour la nourriture, donc, et 6 jetons pour les dinosaures. Donc, je commence avec 2 amis et avec 2 dinosaures, 2 ressources. Ma grotte est là, je la mets ici pour qu'on ait un peu accédé à tout ce qu'il y a sur le champ. Voici mes cartes de base que je mets là, et donc la partie, ça c'est le quart de score, la partie va pouvoir commencer. Je n'ai pas montré ce que j'avais également sur le côté du setup qui est ici, j'ai mes œufs, mes 12 œufs, qui en battant les dinosaures vont me permettre, en les retournant, de rajouter des cartes de cette pile-là, ici, pour augmenter la durée de la partie, faire que je ne perde pas. Parce que si la pile est vide là, ici, la partie est donc finie pour moi. Allez, 1, 2, 3, 4 cartes.
Ma main est la suivante. Donc j'ai deux bananards, un explorateur et un ami. Alors, je vais déjà, ce que je vais faire, je vais produire une banane avec mon bananard. Je vais produire deux ressources de nourriture, voilà. Et je vais produire un ami avec mon action ami. Voilà, bon, premier tour assez classique, assez rapide, hein. Alors, j'aurais pu partir explorer, mais j'ai franchement pas envie d'explorer, parce que quand on chasse, on diminue les cartes qui sont dans ce tas-là, pour les mettre là et là, ça offre des possibilités de marché, certes, mais ça, c'est un peu notre point de vie, hein. Quand ça, c'est vide, la partie est finie en mode solo. Donc du coup, il faut pas que ça diminue trop vite, donc je ne vais pas chasser. J'ai aucun intérêt à chasser pour l'instant. Allez, 4 nouvelles cartes. 2, 3 et 4. Alors mes 4 cartes. Donc je récupère mes 4 cartes ici. Donc, mon action fructame, je pioche des cartes où je gagne 2 ressources. La bombe au bord permet de générer des bonhommes. Mon bananard, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire avec mon bananard, déjà, je vais produire une ressource. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Et me revoilà. Excusez-moi de ce petit retard. Du coup, j'avais dit que j'avais généré une banane avec ça. Il me reste mon action fructam et mon bobor. Mon bobor, alors, je vais faire. Je peux pas générer de nourriture parce que j'ai déjà beaucoup de nourriture. C'est pas la peine d'en prendre plus pour l'instant. Ce qui fait que mon explorer et mon... Je vais garder mon fructam dans ma grotte pour tout à l'heure. Et mon bobor va aller sacrifier l'explorer qui est ici directement pour générer 2 ressources. Fin de mon tour. Je pioche 4 cartes. 1, 2. Oh, la rage! Alors, là, on met une carte ici. Et là, on met 2 cartes ici. Ah, un boss. Ça commence pas trop bien. Du coup, les cartes du marché me sont proposées là. On verra ce qu'on achète au fur et à mesure. Et donc, j'avais 2 cartes et je remélange. Deux cartes en plus. Alors, Dino Oblivion, donc j'ai ça, ça et ça. Donc là, pour le tuer lui, il faut que un de force et un jeton dinosaure. Je n'ai aucun jeton dinosaure pour l'instant, c'est très embêtant. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux acheter. Pour 4 de nourriture, je vais acheter la hutte. Parce que cette hutte va me... C'est un totem qui va me générer à chaque tour un bonhomme, et c'est très important en termes de ressources. Je vais... Donc il me reste 1 de nourriture, ça coûte 4, et là ça coûte 2. Il me faudrait 6 de nourriture, je pense pas avoir 6 de nourriture au total. Je vais utiliser un explorer pour générer 2 de nourriture. Je vais utiliser... Oups là, mon dinoblivion, je vais le mettre de côté, je pense. Mon bananard qui est ici, je l'utilise pour générer 1 de nourriture, ce qui fait que j'arrive à 4. Je peux donc acheter le rotam qui est ici. Lui, rotam, c'est une action qui fait 5 d'attaque, ce qui est plutôt bien. Donc hop, plus de jetons comme ça. Et j'ai un autre... un autre totem qui est intéressant, qui me produit 1 de nourriture à chaque tour si j'arrive à l'acheter. Ça coûte 2 de nourriture, sachant que j'ai plus de nourriture pour l'instant. Et ben, ce que je vais faire, je vais mettre mon Oblivion, je vais le laisser là-dedans pour l'instant. Je vais le mettre dans la. Enfin, je vais le mettre, je vais pas le jouer, je vais laisser mon Explorer dans ma grotte. Et je vais donc piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. La rage s'active. Donc, du coup, là, je mets une carte ici. Je mets 2 cartes ici. Et une carte en plus, parce que j'ai ce boss-là qui va me vider mon deck de plus en plus vite, donc j'ai intérêt à le taper le plus vite possible. Donc voilà un peu les cartes que j'ai cette fois-ci. J'ai tout ça comme possibilité. Et mon jeton ami. Alors, déjà, avec ce premier jeton ami, je vais acheter le chaman. Chaman, ce qui était bien, si j'ai 4 totems en jeu, je peux récupérer un œuf. C'est plutôt bien.
Je vais pour... là, il y a ça. 4 de force, pas mal ça. Pour 3 jetons amis, je vais acheter le Nandertar. Il tape à 4 de force. Il détruit un œuf. En mode solo, ça sert à rien. En mode duel, ça permet de détruire les œufs, les œufs des copains. Et j'ai encore toutes mes cartes à activer ici. Alors, du coup, je vais générer 2 ressources avec mes 2 bananars pour acheter le Stellar qui est ici. Le Stellar est très bien parce que c'est une action qui me permet de fabriquer une ressource de chaque type. C'est une très bonne action. Ensuite, il me reste le Bobor qui peut faire un truc et mon jeton ami que je n'ai pas encore utilisé. Je vais utiliser. Je vais garder mon Bobor pour plus tard ici, je vais le mettre là. Et avec mon Explorer, je vais utiliser mon action ami pour générer une ressource et pour récupérer le Warcar. Le Warcar, il me permet de lancer 2 cartes actions sur lui, et pas une seule, quand j'utilise. Pour 2 jetons amis. Je mélange, parce que je n'ai plus de cartes. Et je tire 4 cartes. 1, 2, 3, 4. J'en mets ça ici. Alors, mon action. J'ai ça, ça, ça. Et ça, beaucoup de choses. Donc, cette fois-ci, pour poser mon totem de hut, je vais utiliser mon explorer qui est ici. Pour poser ma hut, et là. Je m'en sers tout de suite pour générer un bonhomme. Il me reste ça. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon bobor. Pour... ça serait bien que je gère de la ressource là pour taper sur lui quand même. Ah, bon, je vais le mélanger, pour l'instant ça va aller. J'utilise mon bobor pour utiliser mon action de fructam pour générer 2 de nourriture et acheter le totem de yak qui coûte 2 et qui va à chaque tour me produire de la nourriture. Je le pose ici. Et ça, je mets dans la grotte. Fin de mon tour, je vais donc piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4 et je pense à activer mon totem ici. Alors voilà, tac, tac. Voilà mes actions possibles. Donc déjà, avec mon hut, je vais produire ça. Je récupère ma carte action de Stellar qui est ici. Mon Explorer qui est là, non. Alors ça, je ne vais pas m'en servir tout de suite, je vais le mettre là dans ma grotte, je pense. Je vais générer avec mon bananar un jeton de nourriture. Je vais avec mon, avec mon Nandertar générer une ressource de chaque type. Donc, un bonhomme, une nourriture, donc pas comme ça, mais comme ça, voilà. Et un jeton dinosaure. Et mon Explorer va me servir à attaquer ce boss-là. Donc, l'Explorer a une force de 1. Et je sacrifie mon jeton dinosaure gagné ici pour remettre ce boss-là dans la pile que je remélange. Et je remélange tout mon petit bazar. Et je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc, voici mes cartes que j'ai. J'ai tout ça à faire. Donc, déjà, je vais produire un petit jeton de population avec toi. Lui, mon chaman, ne sert à rien parce que pour l'instant, je n'ai pas 4 totems, j'en ai qu'un. Donc, je ne peux pas générer d'œufs. Est-ce que je peux faire une attaque contre quelqu'un? Ça me génère 5 d'attaque. Lui, il a 10 points de vie, je n'ai pas assez. Mon dieu Oblivion, je n'ai pas de token ici, ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon Rotam ici. Je générerai 2 bananes. Voilà. Et ces 2 cartes-là vont partir à défaut, ce que je pourrais en faire. Et je pioche en 4 cartes. 1, 2. Ma pioche est vide. Je vais donc tirer des cartes ici. Donc une carte ici et 2 cartes de l'autre côté. Ok, donc là, ce sont des cartes de clan à acheter. Je mélange ça.
et je vous reprends. Attendez. Donc je réactive mon totem. Et voilà. Donc j'ai tiré ces quatre cartes. Ces cartes actions sont les suivantes. Donc deux cartes actions, deux cartes de clan. Et un Rotam ici. Alors déjà, je vais commencer par générer un petit bonhomme avec ma hutte. Je vais acheter pour un bonhomme l'artiste qui est ici. Je vais acheter pour trois bonhommes le gogo. Gogo est très bien, il peut se mettre en couple d'un côté et de l'autre. À chaque fois qu'il génère un petit ami, un petit bébé, il permet de piocher deux cartes, ce qui est plutôt pas mal. Que vais-je faire? Donc j'ai tout ça. J'aimerais bien poser mon yak et j'aimerais bien poser également un ami. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon warcar qui est ici, je vais utiliser deux actions. Une pour poser le totem yak, qui est là, qui va me générer tout de suite un ressource de nourriture. Je suis au taquet, donc ce n'est pas la peine. Et générer un jeton ami qui est ici. Et avec ces deux jetons amis, je vais acheter le protecteur que je mets là. Donc je n'ai plus de ressources amis. Par contre, mon bobor qui est là, je vais pouvoir sacrifier une carte pour générer deux amis. Est-ce que c'est intéressant tout de suite de sacrifier ça? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais sacrifier ma carte soleil ici, deux générations d'amis, pour que mon bobor puisse me produire deux petits bonhommes. Hop, je réactive tous mes totems et je pioche quatre cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, j'ai quoi là? J'ai tout ça. Donc déjà, je vais générer un petit bonhomme avec ma hutte. Ensuite, je ne peux plus rien acheter ici. J'ai 6 de nourriture. Est-ce que je peux taper un dinosaure? Est-ce que j'ai une force de 10 là quelque part avec ça? Toi, tu as une force de frappe de 5, 5, 6. Il va me manquer de la patate. Donc, ce que je vais faire, avec mon fructam qui est là, j'active mon banana pour tirer deux cartes. Une, deux. Un dino oblivion, malheureusement, je n'ai pas de jeton ici, et j'ai toujours mon rotam qui est là. Donc, je pense que j'ai une force de 10. Je vais utiliser mon rotam sur mon banana pour faire 5 de force. Là, j'ai 6 de force. Et avec mon Néandertal, j'arrive à 10 de force. 10 de force, ça me permet de taper la tête au raptor qui est ici. Donc je gagne un œuf, que je mets là sur le côté avec mes totems. Je pioche une carte ici, ben, il n'y en a pas, tant pis. Et je détruis une carte de ma main. Et ça, ça va dans ma zone de victoire. Mon œuf, je le mets là. Donc je détruis une carte. Alors je vais détruire l'explorer. Tout simplement. Et mon dino oblivion que je n'ai pas joué, je le laisse dans ma grotte. Là. Il va falloir que j'essaye de générer des jetons dinosaures bientôt, parce que j'en aurai besoin pour taper fort, fort, fort. Et c'est tout. Donc je retire 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà les cartes que je vais pouvoir jouer. Là, c'est la rage. Donc on va générer des cartes ici. Ah bah parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai en possibilité d'achat? Déjà, je vais générer un petit bonhomme avec ma hutte qui est ici. Ça me fait 4 bonhommes. Pour 4 bonhommes, je vais acheter le craft dinar. Il va me générer 2 jetons dinosaures à chaque fois. Donc, j'ai ici à côté 3 bonhommes. 1, 2, 3. Pour 3 de nourriture, 1, 2, 3, je vais acheter le totem Mamotar qui est ici. Pour 2 de nourriture, je génère 4 de force. Et il me reste tout ça encore à jouer. Du coup, avec ce totem-là, je vais me générer un de nourriture. Je remonte à 4. Mon chaman, encore, ne me sert pas grand-chose, parce que j'ai pas 4 totems pour générer un 9. C'est pas très très grave. Par contre, j'aurais bien acheté lui. Donc, il faudrait que je fasse procréer. C'est ce que je vais faire. Le chaman et l'explorer vont me faire un petit bébé. Ça fait 2 jetons de ressources. Amis. Et ça me permet d'acheter le Dino Rider. Dino Rider, sa force est égale au nombre d'œufs que j'ai. Pour l'instant, j'ai un œuf, donc il a une force de 1. Et du coup, avec mon bananar, je vais utiliser mon action Stellar pour générer une ressource de chaque type. Un bonhomme, une nourriture, un dinosaure. On remet tout ça ici.
Et on pioche 4 cartes. J'ai plus de cartes à piocher, donc je mélange, je réactive mes totems. Je mélange et je pioche 4 cartes. Je n'ai pas réveillé le dinosaure qui était là. Le dinosaure qui était là, c'est encore un raptor. Hop là, je vais piocher 4 cartes. Alors, je dis que je devais piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Très bien. Deux actions, deux personnages. Alors, déjà, ma hutte va me générer un petit bonhomme. Mon totem va me générer un petit token de nourriture. Mon artiste, ici, va me permettre de jouer en action de totem à motard. Je pose là. Et de piocher une carte. Je pioche le gogo, ce qui est plutôt pas mal. Mais j'ai pas envie de m'en servir tout de suite du gogo. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec le craft dinar qui est ici, je vais générer deux tokens dinosaures. Un, deux, voilà. Pour avoir un dinoblivion assez costaud. Du coup, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Mon gogo, il est là. Il peut pas faire grand-chose, mon gogo tout seul, de toute façon. Et mon action rotam tout seul également est un petit peu perdu. 3. Attendez, je vais peut-être taper le raptor avec un peu de chance. Là, oui, avec mon gogo, j'ai tapé le raptor. Avec mon dinoblivion. J'ai un dinoblivion, donc j'incline mon raptor. J'incline mon gogo. Je mets un dinoblivion dessus à une valeur de 2, 4, 6. Ça fait 6 points d'attaque. Je vais générer. Je vais claquer 2 de ressources de nourriture pour que mon motard me produise 4 de puissance d'attaque. Ce qui me fait 6 et 4, 10, suffisamment pour taper la tête au raptor qui est ici. Le raptor va me permettre d'aller choper un œuf de ma réserve des œufs. On va prendre toi. Je vais pouvoir récupérer une carte qui est ici. Malheureusement, il n'y en a pas. Mais je vais également devoir me sacrifier d'une de mes cartes. Alors, je vais, allez, je sais pas trop qui j'ai, l'artiste est bien, lui je vais le garder, l'oblivion faut que je le garde, et le gogo je vais le garder aussi, donc par défaut, ça va être, ça je vais le garder aussi, parce que ça fait quand même 5 d'attaque, c'est assez puissant, c'est toi l'artiste, désolé mon ami, qui va partir à la défausse, et un deuxième dinosaure de vaincu. Prochain dinosaure, ça va être un Compsonatus, il me génère des dinosaures, un œuf, et il me fait désormais une carte de ma main. Fin de mon tour. Ah, mon rotam, je ne l'ai pas utilisé, je le mets dans ma grotte. Non, oui, je ne l'ai pas utilisé, j'ai utilisé mon dinoblivion et mon action de totem. Donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors ici, 4 cartes que je pose. Tous mes totems s'activent, donc je vais générer. Un de nourriture, un bonhomme, donc un bonhomme, un de nourriture, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai avec ça? Donc mon protecteur, sa force est équivalente au totem que j'ai en jeu. Donc là, j'ai 3 totems, donc il a une force de 3. Je peux encore taper un dinosaure, quoi. 3, 4, 5, 6. Est-ce que je peux pas taper le gros dinosaure à 18 là-bas, plutôt? Tic à tout, parce que là, si je fais ça, mon bananard, donc j'avais une force de 3, 1, 2, 3, avec lui, j'ai 3 totems, j'ai une force de 3, 3, admettons, je fasse 3, ça sur lui, 3, 8, 9, 10, 11, 11 et 4, 15, j'ai pas assez pour taper le Spinosaurus. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais pas faire grand chose d'autre, malheureusement. Je vais produire la source. Le bananar va me produire un token de nourriture. L'explorer et le warcar, ici, vont faire un petit. Je vais garder mon protecteur dans ma grotte. Et ben mon rotam par la défausse. Je pioche donc 4 cartes. Et je réactive mes totems après. 1, 2, 3, 4.
Peut-être qu'il va falloir que je chasse un petit peu là pour avoir du marché parce que. Voilà mes cartes. Donc je vais raquer tout ça. Je vais me générer un petit bonhomme. Ici, je vais. Bah, je ne peux pas générer diac de nourriture parce que je suis au taquet de nourriture. Je dois 4-6. Ça, ça ne bouge pas. Je. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je fais avec ça. Donc là, voyons voir un peu ce que j'ai en main. J'ai tout ça en main. Et mon action stellar. Donc, j'ai une force de frappe de combien cette fois-ci? Donc, toujours 3 pour lui. 4, 5, 6, 7. 7 et 4, 11. Je ne peux toujours pas taper le spinosaure qui est là-bas, parce que le problème, c'est que j'ai descendu très rapidement ça. Et je suis un peu bloqué, là. Est-ce que j'irai pas chasser un petit coup pour m'offrir de l'achat, hein? Je peux chasser un petit coup, je vais voir ça. Je vais chasser avec mon bobord de une. Ouais, voilà. Donc pour 3 de nourriture, 1, 2, 3, je vais m'acheter ce totem là. Voilà. Là, je peux chasser de 3 aussi. Je chasse de 3 avec toi. Voilà, ça me diminue mon tas, j'aime pas trop faire ça, mais il faut que je chasse. Donc j'ai mis de 3. 1, 2, 3. Alors, pour 2, bon, ça va les coups quand même. Pour 2 ressources, je vais acheter un autre protecteur. Comme ça, ils vont bien comboter ensemble. De nouveau, pour 2 de ressources, je vais acheter le Zaza, qui est unique. Donc, elle sacrifie 2 bonhommes, et ça me génère 8 de force. Très, très, très bon. Et pour 3 de nourriture, qui me reste, je vais acheter le totem Monkey, qui m'offre une action gratuite, et qui va bien comboter avec mes protecteurs. Ce qui fait qu'il me reste quand même tout ça à jouer. Donc je vais pouvoir me générer une petite banane avec mon bananar, un petit gigot, et avec mon stellar qui est ici, je vais utiliser mon néandertar pour me générer une ressource de chaque type. Un bonhomme, un dino, un gigot. Tout ça par la défausse. Alors j'ai pas mal chassé, ça diminue mon tas de 4 cartes là, faut que je fasse gaffe. Je réactive mes totems et je pioche 4 cartes. 2, 3, 4, la rage, dinosaure se déclenche. Alors, on va voir une carte ici. Très bonne carte, ça va être. Si je peux l'acheter, c'est bien. Ça me génère une action, 2 bonhommes et un œuf. Et là, 2. 1, 2, encore un gogo. Alors, on va voir ce que j'ai comme action possible ce tour-ci. Tout ça. Alors, donc, je vais avec mon hut générer un bonhomme. Je vais avec mon yak qui est ici générer un de nourriture. Voilà. Mon chaman ne me sert pas à grand chose pour l'instant, ni mon Dino Rider. Donc, du coup, avec mon Dino Rider, je vais générer 2 gigots pour acheter l'action Troc. Donc, ça coûte 6. Du coup, j'ai combien de bonhommes? J'ai 3 bonhommes qui est ici. Avec 3 bonhommes, je vais utiliser mon gogo. J'ai acheté mon gogo, un autre gogo. Voilà. Et il me reste tout ça encore. Mon bananar, là, va me générer 1 de nourriture. Et mon chaman, je vais te mettre ici, parce que peut-être au prochain tour, je vais peut-être me tirer un totem. Et du coup, je passerai à 4 totems ici, donc lui me permettra de gagner un œuf. Je prends mes cartes et je mélange. Je pense qu'on est plutôt pas mal là dans la partie. Hein. On a un bon tas de cartes ici. Je ne l'ai pas trop épuré encore. Enfin, je commence à l'épurer pour virer les cartes qui ne m'intéressent pas, les cartes de base. Donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Je réactive mes totems. Et quelles sont mes actions possibles? Voilà mes actions possibles. Donc déjà, je vais me générer une ressource bonhomme, une ressource nourriture. Mon bobor va me sacrifier mon ex. Ça vaut le coup. Parce que d'abord, je ne les fais pas procréer tous les deux. Ouais, c'est ça. Je vais les faire. J'ai quand même besoin de beaucoup de nourriture. Donc, bon, allez. Je vais faire un ami avec ces deux-là. Mon bobor qui est là va aller sacrifier l'explorer qui est là pour me générer 2 nouveaux amis. Je remonte à 4 jetons d'amis. Mon Dino Rider qui est ici, malheureusement, ne peut rien faire. Et je garde mon chaman ici parce que j'ai bon espoir de tirer un totem dans les prochains tours. Ah, bah si, mais du coup, avec 2.
de bonhomme, je vais acheter le Hunter qui est ici. Ça coûte 2 de ressources. Allez, voilà. On va tirer 4 cartes. 1, 2, 3, 4. On va activer notre totem. Voilà, notre totem sera activé. Et on va voir ce qu'on a dans la main tout de suite. Alors, hop, hop. Donc, nous avons un gogo. J'ai tiré un gogo, j'ai tiré mon Fructam et mon Monkey, qui est très bien. Donc, du coup, pour mon gogo va me servir à poser mon Monkey en jeu. Du coup, j'ai 4 totems. Je récupère mon chaman qui est ici. Voilà. Donc, déjà, ce totem-ci va me générer un jeton bonhomme. Ce totem-ci va me générer un jeton de nourriture. Il me reste tout ça comme action à faire. Mon chaman qui est ici va me permettre, vu que j'ai 4 totems en jeu, d'aller choisir un œuf de là-bas. Alors, un œuf de là-bas. Je prends celui-là. Ah ben non, attendez, il y a un problème, les œufs. Les œufs, quand je les choisis, il faut que je les retourne pour savoir combien de cartes je rajoute. Ah bah tiens, regarde, tac, tac, tac. J'en rajoute 6 cartes. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. À chaque fois que tu prends un œuf en mode solo, c'est en mode duel que tu les révèles. Pas en mode solo, tu les révèles. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartes. En fait, j'aurais dû prendre 2 cartes, enfin le nombre de indiqués ici à chaque fois, pour chaque œuf, et le rajouter en dessous de ce tas-là. Donc heureusement qu'entre-temps, je n'ai pas croisé de chef et que je ne les ai pas eu à les combattre. Bon, sinon, ça aurait un peu faussé la donne, mais là, du coup, je m'en sors plutôt pas mal. Du coup, il me reste tout ça. Mon Monkey, c'est un totem unique qui permet de faire des actions. Donc, avec mon Monkey, je vais générer 2 de nourriture. Voilà. Et avec mon Craft Dinar, je vais générer 2 totems dinosaures. Voilà. Et je mets tout ça petit monde à la défausse, et je vais donc piocher 4 cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors, on va voir un petit peu. Voilà, si mes actions possibles et mes totems. Alors, hop, hop, hop. Je vais donc régénérer un petit bonhomme. Je vais générer un petit token de nourriture. Je suis au taquet en termes de nourriture. Du coup, mon protecteur a maintenant 4 de force. 1, 2, 3, 4. 4 de force. Toi, si je détruis 2 bonhommes, j'obtiens 8 de force. Donc j'arrive à 12. 8 et 4, 12. 12, 12, 12, 12, 12. 12 avec. Donc ça, tu attaques. Donc j'ai généré là. 8 de force. Donc toi, ça fait 8 et 4, 12. 12, je vais. J'ai pas le choix, il faut que je mette toute la puissance. Je vais générer 2 de force avec mon même motard. Donc 4 de force, 12, ça fait 16. Là, je suis à 16. Il me reste encore tout ça. Je suis à 16. Pour taper le spinosaur qui est là, il faut 18. Donc 16. Et j'ai pas le choix avec mon bananar qui est là. Alors, j'aurais pu utiliser le monkey qui était ici, mais je vais prendre le bananar qui est là. Le bananar me permet d'activer mon action Rotam. 16 et 5, 21. 21, le Spinosaurus meurt dans l'atroce souffrance. Donc, il permet de prendre une carte qui est ici. Malheureusement, je n'en ai pas. Il va me forcer à détruire une carte de ma main. Donc, je vais détruire mon bananar. Et il me permet de gagner 2 œufs. Donc, j'ai pioché 2 œufs ici. Alors, j'ai pioché comme œuf. Je vais piocher toi et toi. Donc, je gagne 2 cartes. Deux cartes, donc je prends les deux cartes du début de la pile et je les mets en bas de la pile ici. Voilà, et ça arrive là dans mon trophée de chasse. Tout ça par la défausse. Je réactive mes totems, un totem, deux totems. Voilà, tout ce qui ont été utilisés, et je pioche 4 cartes. 3, 4. Alors, on va voir. Je révèle le dinosaure qui est ici. Pardon. Un Allosaurus, 16 points de vie, il fait tout ça, très bien. Alors, voyons voir ce que j'ai ce tour-ci. Je ne pose pas de questions, je vais utiliser mes deux totems de génération de ressources. Un bonhomme, un de nourriture. Je vais me générer avec mon totem Monkey, je vais utiliser mon action Stellar.
pour générer une ressource chaque type. Donc, un comme ça. Un dinosaure et un bonhomme. Du coup, il faut que je calcule. Parce que est-ce que je peux pas taper sur lui là-bas? À 16 points de vie. Je peux peut-être faire ça. Donc 16 points de vie, 16 points de dégâts. Donc mon bananar va servir à lancer mon dino oblivion. Je vais calculer après. Toi, tu as 4 points de force parce que j'ai 4 totems. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Je claque ça. 4 et 4, 8. 8. Et il me manque encore 8 de force. Pour arriver à 16, 8, 2. 4, 6, 8, 8 et 8, 16. Je peux donc taper sur l'Allosaurus sans le moindre souci. 4 points, 2 et 8 points de dégâts. Donc l'Allosaurus, qu'est-ce qu'il me permet de faire là? Il va me permettre. Donc il me force à détruire une carte de ma main. Ça tombe bien. Moi, c'est encore un bananar de base. Je le défausse, je le détruis. Je gagne un œuf. Donc je gagne cet œuf-ci, par exemple. Donc 2. Donc je vais piocher deux cartes. 1, 2. Que je mets là. Et je gagne une carte d'ici, je peux pas, je gagne un petit jeton ressources, un petit jeton de ami qui est ici. Voilà. Et ça va dans mon trophée de chasse ici. Je réactive tout ce petit monde, je mets tout ça dans ma défausse, je réactive mes totems et je pioche 4 cartes. Totems sont réactivés. Dinosaure ici révélé, c'est un tyrannosaure. 19 points de vie. Donc il me reste un tyrannosaure ici et deux cartes ici. La partie va plutôt bien se passer. 1, 2, 3, 4. On n'est pas en rage, il reste une carte ici. Donc quelles sont mes cartes que j'obtiens? Alors déjà, je vais pouvoir générer avec ma hutte un bonhomme. Avec mon yak, un de nourriture. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est assez facile, je vais pas me prendre la tête. Je vais, avec mon Warcar, poser mon Mammotard en plus, là. Voilà. Avec, du coup, première action mon Warcar, deuxième action mon Warcar, utiliser mon Troc. Donc je génère deux bonhommes. Bon, je suis au taquet. Mais surtout, je gagne un œuf. C'est ça qui m'a intéressé, gagner un œuf. Donc cet œuf-ci, deux, également. Voyons, je ne tire que des œufs à deux, là. Un, deux. Et je mets ça dessous. Ok, et mon gogo, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je vais le garder dans ma grotte pour le tour d'après. Voilà, je réactive mes totems. Donc maintenant j'ai 5 totems, 2 totems à motard, un monkey. Et je pioche 4 cartes. Une, on fait la rage dinosaure. Donc là, hop, c'est un boss. Donc lui, voilà, il fait tirer une autre carte. Voilà. Et là, 2 cartes ici. 1 et 2. Donc j'ai pioché une carte et il faut que je pioche 4 cartes du coup encore. Un, deux, trois. Donc voyons voir, j'ai tout ça et un dinoblivion et mon gogo que je remets là en jeu. Et un dinoblivion. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je ne vais pas générer de bonhomme, c'est pas intéressant. Ce que je vais faire, déjà, j'ai tout avec un bonhomme, je vais acheter le Patrac, parce que je peux le faire. Avec deux ressources, je vais acheter le Warcar. Et enfin, avec trois ressources, je vais acheter la Mom. La Mom, sa puissance est égale au nombre de cartes de clan que tu as en jeu. Elle y compris. Donc, par défaut, une force de 1. Et puis après, plus tu vas poser de cartes clan, plus elle va devenir puissante. Mon Dino Rider, elle a une force de nombre d'œufs que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 7 œufs. Donc, lui, il a une force de 7 déjà. 7. 7, 7, 7, 7, 7. Attends, je vais du coup activer mes deux totems pour générer un bonhomme et de la nourriture. Une force de 7, j'ai dit 7. Il manque 12 pour taper le T-Rex. Bon, sinon 7, je peux tout de suite faire ça. Je vais faire ça avec toi, je vais taper sur lui là. Bon, 7, parce que j'ai 7 œufs. Du coup, ça me fait 7. Donc je détruis une carte de ma main, c'est embêtant parce que j'ai pas forcément envie de détruire une carte de ma main. Je détruis quoi? J'ai tout mon gogo. Ouais, j'ai tout mon gogo. Ouais. Il m'a pas servi. J'aurais pu attendre. Ouais, je vais être un peu bête. Bon, alors, attendez, avant de taper, je vais remettre ça là. Je vais plutôt faire des actions avec mon gogo. Je vais faire comme ça, je pense. Je vais faire ça. Mon gogo, voilà, comme ça, va me générer
deux ressources et me faire piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok, j'ai ça. Donc j'ai tout ça. Donc du coup, j'ai dit qu'avec une force de 7, j'allais taper sur lui là. Donc il fait détruire une carte de ma main, il fait gagner un 9 et piocher 2 cartes dinosaures. Donc détruire une carte de ma main, je vais donc essayer d'être mon gogo qui m'a servi ici. Voilà. Mon gogo est là, donc ça c'est fait. Je vais piocher un 9 tout de suite de ma réserve des eaux qui reste. 1. Donc ça fait 1. Une carte. Voilà. Et du coup, je génère deux tokens dinosaures. 1, 2. Et ça, je mets ça dans ma galerie de chasse. Du coup, mon dinosaure à taper ici, c'est le Stegosaurus, c'est une force de 8. Du coup, je ne peux pas. Je pourrais le taper sûrement, je pense, lui, mais je ne veux pas le faire parce que je ne peux pas. On ne peut pas détruire deux fois un dinosaure dans le même tour, dans la même zone. Donc j'essaie de taper le tyrannosaure. Mais je ne sais pas si j'ai assez de puissance pour le taper. Mon protecteur a une force de combien? De 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour protecteur. 5. Je vais claquer. 5. 2. Mes deux mammouthards pour gagner 8. Ça fait 8. 8 et donc 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, je suis à 13 de force. 13 de force. Avec mon Warcar, je vais utiliser mon Stellar qui est... Non, pas avec ça. Avec mon Monkey qui est ici, je vais utiliser mon action de Stellar pour générer une ours de chaque type. Donc un ça, un dino. Voilà. Il me reste ça. Donc j'ai dit que j'avais 13 de force, hein, c'est ça. Mon Protector a 5 de force. 5 de force, 5 et 8, ça fait 13. Et moi, je vise le 19 qui est là. 13, il manque 6. Avec mon Warcar qui est ici, je vais taper avec mon Dioblivion à hauteur de 2, 4, 6. Ce qui fait une force de frappe de 19. Pile poil, normalement. Et donc, ça me tue mon Tyrannosaure qui est ici. Donc, je vais gagner 2 cartes de là, il n'y en a aucune. Je vais détruire une carte de ma main. Je vais taper je vais détruire le Warcar qui est ici. Voilà. Et je gagne 2 œufs. Donc 2 œufs, un niveau 2, un niveau 3. Donc du coup, je gagne 3 cartes de la pioche de là. 1, 2, 3. Et je mets ça dessous. Du coup, ça part à la défausse. Les jetons partent à la défausse. Il me reste ça, ça a été joué. Donc, le T-Rex, il va. Il y a les dinosaures niveau 3. Donc du coup, là, ça libère ça. La prochaine rage dinosaure, je vais piocher 3 cartes en plus. 3 cartes et pas 2. Et du coup, j'ai mon Antar que je vais garder ici. Voilà. Au cas où, j'en ai besoin pour le tour d'après. Et tout ça revient dans ma défausse. Je réactive tous mes petits totems. J'ai oublié lui. Je crois que j'ai oublié lui. Voilà. Et je pioche 4 cartes. 1... 2, 3 et 4. Alors, 4 cartes. Donc, du coup, ça, je le prends, je le mets là. Et j'ai ça. Alors, du coup, pour terminer la partie, il faut que je tape. Le Stegosaurus a une puissance de 8. Ben, c'est assez facile. Regardez, je fais un bananard pour générer un de nourriture. Et je vais utiliser mes deux mammotards qui sont là. 4 et 4, 8. Au prix de 2 de nourriture pour taper. Le Stegosaurus, donc du coup, ça me génère 2 œufs, les deux derniers œufs, tiens, tac, tac. Donc des œufs de puissance 2, c'est bien. Donc ça fait 4 cartes en plus que je prends là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et c'est fini. On va pouvoir passer au... Et je prends mon Stegosaurus que j'ai tapé. Et là.
Et je détruis une carte de ma main, pardon. C'est important de détruire une carte de ma main. Donc je vais détruire mon fructal dans ma main. Ok, on va passer maintenant au décompte des points, vu que j'ai plus de dinosaures à tuer. J'ai tapé tout le monde, on va passer au décompte des points, ça va être assez facile. Alors déjà, on va compter le nombre de totems que j'ai en jeu. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 totems. Donc là, pour les totems, ça me fait 5 points. 5 pour les dinosaures que j'ai tués. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Ensuite, je vais compter les points de mes œufs. Donc je suis à 12. 12. Alors 12, 13, 14. 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ok, 32 points. Ensuite, on va récupérer toutes les cartes de notre jeu. Donc j'ai dit que j'étais à, je n'ai plus 32 points là. Ah merde, je ne sais plus, il faut que je recompte. Ah non, tu déconnes. Ah mince. 32, je sais plus. Non, sans blague. Je recompte. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour les dinosaures. 1, 2, 3, 4, 5 pour les totems. 7 et 5, ça fait 12. 12, 12, 12, 12, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, oh là là, 28, 30, 32. Je suis à 32. Et maintenant, j'essaie de faire des couples avec mes cartes que j'ai en main. Donc, j'ai 32. Donc, voyons voir. Voilà. Donc, ça ne marche pas. Donc, je suis à 32. Voyons voir un peu tous les couples que je peux faire, comme ça. Ah, dommage, j'ai tapé un de mes gogos, j'aurais pas dû pour le décompte final. Parce que là, du coup, là, j'ai beaucoup trop de mal. Voilà, ceux-là, ils sont célibataires, mais heureux. Alors, 32. 32, 32. 34. 36. 38. 40. 42. Voilà, score de 42 en mode chef. Avec tout ça comme carte qui n'ont pas... Voilà, donc à aucun moment, je n'étais inquiété. Aucun moment. Les cartes de boss sont bien là, je les vérifie. J'en ai une qui est ici. Là. Alors, voilà. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien appliqué la règle du totem sans trop de problèmes. Et j'obtiens 42 points. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà pour cette partie d'Inoblivion. Enfin réussie sans trop de... d'échecs de règles, je pense. Hein. S'il y en a, n'hésitez pas, dites-le moi. Parce que là, voilà. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu la chance d'avoir les bonnes cartes. Ouais, bon, quand, c'est un jeu de deck building, donc quand t'as le bon tirage, ça va assez vite. J'ai jamais été embêté par là, quoi. J'ai jamais eu trop de cartes ici. J'ai toujours pu faire des choses. Donc voilà. Écoutez, si ça vous a plu, petit pouce en l'air. Si ça n'a pas plu, petit pouce en bas. Moi, je vous fais des gros bisous, je vais ranger tout ce bazar, et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait très très plaisir. On est 80 à l'heure de cette vidéo, ce qui est terrible. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, je range mon bazar, et amusez-vous bien. Salut, salut !